C'est à lui-même, gros. Manifeste, uh-huh. Manifeste. Je crois qu'il est 17h et ma meuf me dit c'est tard. Faut que je taffe mes examens, alors on retourne direct dans la merde du secteur. Genre à 20h où l'obscurité tombe vite en hiver. Et à moins de 6 où les faits divers sont couverts par les pointeurs. Ça recèle ou ça baragouine, où la paraffine tourne au bloc carré, où les babouins et les tarés se croivent aux queens. Bref, où ça sniffe comme Maradona. Et comme je veux pas me faire donner la paranoïa à mon crâne se greffe, je me roule un bus en attendant le bus. Putain, c'est long, tu connais le bise. Le chauffeur, la jury, comment fait long. Je me mets derrière Scred pour péter des tasses. Le seul qui fiait, c'est que je vois passer des tasses. Alors bien les filles, je vois un type en panique se fout à l'arrêt, un autre gars le suit qui range son canif. Lui fait une tête au carré pour en arriver à sortir un gun, lui sauter la tête de côté, partir en courant, la peur m'a menotté. Tu comme un sidéré, c'est chaud, mon corps brûle, merde, tu peux m'incinérer. Je cours comme une balle tringue, ben, j'ai pas suggéré. Témoin oculaire, j'aurais pu l'être, mais mon esprit me l'a pas suggéré. Vaincre l'injustice par les armes, c'est ce qui les attend, ils servent de la justesse nos larmes. Pour ne pas nous entendre, apprendre pour comprendre ce qui se trame. Comme une route à prendre, le drame serait de se rendre. Alors partir, je témoigne le d'attendre. Partir pour ne jamais revenir. Je reviens pour faire part de ce qui me démange depuis le temps. Je me demande comment le môme aurait fait son coup de pouce. Jamais tenté par le diable, mais souvent mis en cause pour les féminables. C'est quelqu'un qui s'impose, ne serait-ce que par la taille. Incroyable, la façon dont ils sont acharnés sur lui à 13 ans. Il prend 3 heures de GAB, une heure plus tard, Black les défait en mandat de dépôt. Tout ça pour une paire de pompes dont il ne connaît même pas le proprio. Il a beau dire qu'il se trompe, il paie pour délit de faciès. Face aux menaces, il se confesse. Prend une trajectoire que peu de gens comprennent. Considéré comme une peste, perdu dans toute leur paperasse. Nos gosses s'enterrent, se laissent neutraliser par l'angoisse, n'ayant aucune issue. Seul, face à lui, un garant de la justice se met en deuil, attend le verdict. Le hic, c'est qu'on a l'air de le croire, mais par principe, il préfère attendre pour mieux voir. Numéro 12 explique l'histoire. Ouais. Ici, y a trop de démagos qui radotent, qui me dégoûtent. Si tu les écoutes, ils te diront que la vie c'est cadeau, tout est caduque. À croire qu'on n'a pas de peau, qu'ils soient des douanes ou des stupides, veulent toute notre peau. Les homicides dans un prix se multiplient, pour rien de choquant quand deux jours avant l'acquis. Les frères se suicident quand les matons tirent à vue. Qui ça évite toute récidive, tout le monde le sait, mais y a trop peu de gens qui disent. Ça se déguise derrière des hommes d'église qui violent, couverts par ceux qui gouvernent, qui nous bernent, nous volent. Défenseurs des droits de l'homme et du citoyen, ils se veulent, mais changent de politique, dès qu'ils tirent contre un mur mitoyen. Chaque jour, des jeunes tombent sous les balles, des bavures, on transforme un acte de bravoure. Et ça, c'est normal, c'est la merde, mon cœur a mal saine. Quand j'apprends qu'à 40 ans, j'étais des familles entières à la scène. Y a plus d'enfants de la patrie, y a que des gosses de la rue, à l'esprit matricide. Valeur de l'homme perdu, c'est à lui-même. Jeep 12, L-O-G-A-N pour DJ Manifeste, tous témoins oculaires. Vaincre l'injustice par les armes, c'est ce qui les attend. Ils servent de la justesse nos larmes. Pour ne pas nous entendre, apprendre pour comprendre ce qui se trame. Comme une route à prendre, le drame serait de se rendre. Alors je témoigne le d'attendre.